La licence professionnelle, métier de l'information, archives, médiation, patrimoine, Alien TDCNAM, est consacrée à la gestion des documents audiovisuels. Par documents audiovisuels, j'entends la photographie, l'image fixe, l'image animée, cinéma, vidéo, et les enregistrements sonores, c'est-à-dire la musique ou la parole. La licence permet d'acquérir toutes les compétences pour administrer un fonds audiovisuel analogique ou numérique, et bien sûr de prendre en charge la numérisation des fonds analogiques. Une place importante est ménagée au droit de l'audiovisuel, au droit à l'image et au droit de l'œuvre, ainsi qu'au respect des normes et des standards professionnels, et bien sûr à la valorisation en ligne des fonds audiovisuels. La licence professionnelle compte 60 crédits, qui peuvent être obtenus en validant 7 unités d'enseignement, dont une unité d'anglais, plus 2 unités d'activité, c'est-à-dire un stage ou une expérience professionnelle, et un mémoire professionnel. Elle propose 2 parcours. D'une part, un parcours de documentation audiovisuelle qui vise la gestion des fonds audiovisuels dans les entreprises, les organismes, les sociétés qui travaillent au quotidien avec l'image. Je pense aux médiathèques, aux agences photos, aux sociétés de production, aux médias, mais aussi aux services audiovisuels et communication de toutes les entreprises. Et l'autre parcours concerne les archives audiovisuelles, c'est-à-dire la gestion, dans le respect des règles professionnelles, des fonds d'images patrimoniales ou anciennes, qui peuvent être détenus dans des centres d'archives publiques, dans des musées, ou bien alors dans des entreprises qui détiennent des archives audiovisuelles importantes qu'ils souhaitent valoriser. Il est important de préciser que les unités d'enseignement peuvent aussi s'y inscrire indépendamment de la licence, à la carte en quelque sorte, en fonction de ses besoins de formation. Pour s'ouvrir à un public large et varié et pour s'adapter aux situations géographiques, familiales ou professionnelles de chacun, nous proposons la licence en FOD, FOD nationale tutorée. Et il est possible de la suivre de façon asynchrone, en fonction de ses disponibilités dans la semaine. Et bien entendu, elle peut être validée par les acquis d'expérience. Et nous vous attendons au CNAM Paris.